www.dialogue.com. Il dérange, c'est une mouche qui dérange les gens. Qui se fait passer pour un Congolais parce qu'il parle les quatre langues du pays. Mais quand on parle les quatre langues ici, il y a des Congolais qui parlent toutes les langues sud-africaines. Ben, ce n'est pas d'une manière osmosique qu'on va directement devenir sud-africain. Il y a un mécanisme de naturalisation. Et le pays est libre de te naturaliser ou de ne pas te... Tu n'es pas un Congolais. Et tout celui qui ose continuer à dire que tu es Congolais va nous retrouver sur son chemin. Donc, Kamere, ce n'est pas un opposant. Kamere a tenu le Parlement. Il joue un rôle néfaste d'affaiblir ce qu'on peut appeler l'opposition mal organisée du Congo. Il a été au Parlement. C'est quelqu'un qui décourageait presque tout le monde qui voulait dire quelque chose au Parlement. Il a été secrétaire général de l'ère PPRD, qui n'est pas un parti congolais d'ailleurs, c'est un parti rwandais créé par Kagame au Rwanda. Ce n'est pas un parti congolais. Et puis, il a sorti un livre. Mais n'ayons pas une mémoire courte. En intitulant un livre, ouais. Pourquoi j'ai choisi Kabila. Mais lisez ce livre. Mais ce sont des panégyriques qu'il lance vis-à-vis de son maître Kabila. C'est lui qui a osé dire un jour que le soi-disant Kabila détient une licence en droit par correspondance d'une université californienne de l'Amérique. A-t-il déjà prouvé cette licence, montré ça à la population congolaise? Mais c'est ce même type qui se présente devant vous et qui se dit... Il est opposant, il est président d'un parti congolais, il lutte pour... Non, ce sont des agents de Kagame qui sont bien connus, que nous devons éliminer comme ils nous éliminent. Si ils continuent à nous éliminer, c'est parce qu'ils ne trouvent pas une opposition violente auprès de nous. Ils trouvent une opposition prostituée. Ça signifie... Une femme que vous baratinez, qui ose résister, dès que vous lui présentez un pays, quelques billets, dès que vous lui promettez, je vais te faire sortir, nous irons en excursion, nous irons en voyage, je vais t'acheter ceci et cela, la femme, malgré sa beauté, elle tombe. C'est la même chose avec l'opposition congolaise. C'est une opposition prostituée. Ce qui leur manque, c'est avoir les parties génitales de la femme. C'est tout ce qui leur manque. Et peut-être, ils en ont parce que... Ben, ils sont dans des loges maçonniques où on les sodomise, en général. Donc, ce sont des femmes en pantalon, ce sont des femmes en cravate, la plupart des opposants congolais. Nous devons constituer une opposition patriotique et violente. Une opposition à l'islamiste et aux djihadistes, bien que je ne sois pas un musulman, mais quoi qu'il arrive... L'Occident respecte les Arabes parce qu'ils répondent du tic au tac. L'ennemi ne peut vous respecter que quand vous faites du tic au tac. Mais quand vous devenez le marchepied, mais il ne va jamais cesser de vous piétiner. Pour terminer, nous connaissons l'histoire du Rwanda, que le roi rwandais s'asseyait sur une chaise comme ça, n'est-ce pas? Et les Hutus mettaient leurs pieds là-bas. Lui s'asseyait sur les mains des Hutus et les pieds de la chaise du roi du Rwanda étaient sur les mains des Hutus. Nous connaissons l'histoire. Donc, ils ont cette culture de torture, d'hégémoniste. Et nous, les Bantous, nous avons la culture religieuse qui fait qu'ils sont entrés dans un parc animalier. Francine Nguémé, merci pour le privilège que nous donne l'opportunité. Mais commençons d'abord, qui est l'ennemi de la RDC? Qui est l'ennemi des Congolais? Monsieur Kilelo, je crois que ça fait bout à vous êtes dans le monde politique. Allons un peu en détail. Si Congo est tel qu'il est aujourd'hui, la RDC, les Congolais sont tels qu'ils sont aujourd'hui, éparpillés au travers le monde entier, est-ce quelqu'un d'autre qui pourrait être ennemi du Congolais ou
une autre personne. Merci beaucoup. Comme vous me permettez d'aller en détail, votre question est vaste. Elle s'étend au jour d'aujourd'hui et au passé. Je voudrais dire d'emblée qu'il y a deux ennemis. Il y a l'occidental, donc la personne européenne qui est venue envahir les continents africains et les Congo en particulier. Et puis, il y a les Congolais lui-même. Si l'on peut commencer par les Congolais, suivez, il y a un film, il y a deux films, si je ne m'abuse, un qui s'appelle Air Force One. Et l'acteur principal, c'est l'Américain Ford. J'ignore, il a un nom là. Harrison Ford. Harrison Ford, yeah, exactement, merci beaucoup. Harrison Ford. Et puis, il y a un autre film intitulé Enemy Within. Je ne sais pas si c'est lui aussi qui a joué dedans, mais ça s'est passé à Londres. Pour ceux-là qui suivent l'actualité cinématographique, ils peuvent bien revoir ce film. Eh bien, Harrison Ford, l'avion du président américain est détourné dans l'espace. Il a des gardes du corps, tout ça. Et il fait tout pour se battre contre les détournés d'avion. Mais à la fin, il remarque que le plus grand ennemi, c'est son propre garde du corps. Oui. Et quand vous suivez le film Enemy Within, vous allez voir quelqu'un qu'on ne croyait pas être ennemi, c'est l'ennemi numéro un. Ben, chacun parmi nous, dans nos familles, dans nos relations, aura connu ça ou connaît ça pour le moment où l'on croit avoir des ennemis très loin et pourtant les ennemis sont plus près. C'est comme pour ceux-là qui croient dans la légende biblique. On vous parle de Jésus-Christ et Judas Iscariote. Mais ça, c'est un autre chapitre où on pourra défendre Judas Iscariote qui n'avait jamais trahi Jésus-Christ, ils étaient des amis. Mais juste pour prendre l'histoire comme elle est, et Judas Iscariote, qui était plus près de Jésus-Christ, l'homme de confiance, l'avait trahi. Vous voyez ça? Alors, commençons par le premier ennemi, l'Européen. L'Européen, ayant découvert l'espace planétaire, est allé envahir partout à travers le monde. C'est un petit peuple en Europe qui s'est emparé de la planète Terre, partout. Ils y sont allés, ils ont décimé les populations, ils ont volé les biens de ces gens, ils ont détruit la culture et les traditions de ces gens, ils ont imposé ce qu'ils appellent leur civilisation, parce que chaque peuple a sa civilisation, et puis ils se sont emparés des terres des autres. C'est ce qu'on appelle en un mot l'impérialisme. Et le Congo n'a pas été épargné, comme vous savez, avec l'arrivée des Portugais. Le Congo était tombé après toutes ces signatures que l'explorateur Henry Morton Stanley a signé avec les chefs coutumiers de nos villages, et de nos empires et de nos royaumes. Le Congo était tombé dans les girons des Européens. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous savez, les historiens disent que le Congo n'est pas un pays, c'est une possession de l'Empire de l'Occident. Donc le premier ennemi d'abord, c'est l'occidental, c'est l'Européen. Et bien que les Noirs se sont battus dans les années 50-60 jusqu'à arracher l'indépendance, le blanc physiquement est parti avec sa peau, mais il est resté incarné dans la peau de noir. Certains noirs qui ont été recrutés et qui travaillent, vous savez, jusqu'à l'époque moderne pour l'intérêt de l'occidental. Ainsi, nous avons connu les dictatures à travers toute l'Afrique. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, bien que ça soit voilé par ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie ou la bonne gouvernance, la dictature est toujours là. Et les dictateurs, nous les avons toujours, au jour le jour, mais qui chantent la bonne chanson démocratique. Et nous savons que la démocratie n'a pas développé aucun pays. Et si l'on doit fouiller, et vous savez, les fils de l'histoire, vous allez voir que l'Europe n'a pas été développée par la démocratie, même pas l'Angleterre elle-même, étant une monarchie jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les dictatures qui ont construit toutes ces villes, tous ces pays, que vous alliez en Amérique latine, en Amérique du Sud. Les États-Unis eux-mêmes n'ont pas été
construit par la démocratie, c'était construit par la dictature, parce que venant apprivoiser les Noirs, les amener en Amérique pour travailler dans les plantations, qu'on ne dise pas que cela a été la démocratie. La Maison Blanche, comme vous savez, a été construite par la main d'œuvre noire qui n'ont jamais reçu aucune compensation. Donc partout, ça n'a été que la dictature. Je ne fais pas l'apologie de la dictature ici, mais je voudrais juste dire qu'on ne passe pas le temps à nous abasourdir avec la chanson de la démocratie, alors que ce que nous voyons jour le jour n'est pas synonyme de la démocratie. C'est la dictature voilée sous forme de commerce mondial, de la globalisation, tout ça, alors que c'est du vol, c'est du pillage. Donc, ce sont des éléments de la dictature. Voilà. Alors, l'ennemi numéro 2, c'est le Congolais lui-même. Oui. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et d'autres pays sont venus chez nous. Mais si nous, les Congolais, étions des patriotes, comme à l'époque des soleils de l'indépendance, où nous avions des Africains indépendantistes, tels que Patrice Lumumba, tels que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Kamou Zoubanda, Kenneth Kaunda et les autres. L'Africain allait sécuriser son continent et sa patrie. Malheureusement, l'Occidental a recruté une frange d'ennemis, des antipatries, comme on le dit, et qui sont demeurés comme étant leurs représentants pendant que les soi-disant blancs tirent les ficelles. Alors, l'ennemi numéro un du Congolais et du Congo, c'est le Congolais lui-même. Oui, nous allons continuer à condamner, à insulter l'ignorant Kabila. Vous devez, celui que vous appelez Kabila, vous devez savoir que Kanambe, comme on dit chez nous, Chancelo Kopamba, c'est quelqu'un qui a été pris et qui a été mis là-bas. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Et du coup, il a goûté au pouvoir, il fait ce qu'il fait. Mais s'il y avait une frange de nationalistes et qui n'était pas épris de la corruption, je ne pense pas que Hippolyte Kagame Kanambe, Kagame, Museveni et le reste allaient nous recoloniser pendant ces 20 ans comme le sont. C'est nous qui sommes responsables de la situation actuelle à cause de notre cupidité. Une petite interview du dictateur rwandais Paul Kagame, où il dit ceci, quand un journaliste, je pense britannique ou américain, l'interview, il dit « We are in association with everyone in Congo, from the top of the government to the layman. » Il dit, nous sommes de connivence avec tout le monde dans le gouvernement congolais. De la tête du pays jusqu'au domestique. Kagame dit ça courageusement et il n'a pas tort. Et aujourd'hui, ça commence à sortir petit à petit. En général, n'adopte que le nom de Kassayen, de Baluba. Il est rare de voir un Rwandais prendre le nom de Mulega, d'un type de Bandundu. Il est rare. Mais ils prennent souvent le nom de Kassayen. Je ne dis pas qu'ils sont de connivence avec eux. Mais il était rare pour qu'on puisse détecter que Bruno Tshibala était un infiltré. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui ne réclament que le réveil ou la résurrection de Tshisekedi. Je ne vais pas trop abonder dans ça encore, parce qu'on en avait déjà parlé. Mais nous tous, nous savons qu'il a été complice. Et il y a beaucoup de Congolais. Regardez Mokolo Mpombo que M. Nguanda dénonce à tout moment. Voilà un Congolais qui met en place un plan du maintien de la dictature au Congo. Aller au Sénat, ce qu'on appelle Sénat, qui est un garage de tous les mobutistes. Ils n'ont pas fait retraite, c'est là où ils sont allés, se faire récupérer, et ils sont là, pas pour dicter des lois, mais c'est pour approuver
le maintien de la dictature. Allez au Parlement, mêmement. Les deux chambres réunies, vous avez 8 dixièmes de membres de ces deux chambres réunies, ce sont des Congolais. Et ce sont eux qui sont là pour acclamer et non pas pour faire passer des lois afin de pouvoir bouter dehors un régime d'occupation. Comment on a un Parlement rempli de plus de 500 membres et qui sont incapables de démissionner et de dire « nous ne travaillons plus, ce type doit quitter ». Comment on a un Sénat de plus de 100 quelques membres où l'on ne parvient pas à mettre par terre, à déboulonner une occupation, une dictature? Et vous voulez chercher l'ennemi où? Congodialogue.com. Ce n'est pas Hippolyte Kagame Kanembe. Je ne le défends pas toutefois. Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les médias sociaux, vous voyez des compatriotes tels que l'ancien musicien, là, il s'appelle encore comment? Wayambo, comment on appelle ça? Il y a un type là qui vit musicien, un type de l'Équateur là-bas, qui parle Bokecho. Bokecho, Bokecho Wayambo. Mais il ne passe son temps qu'à insulter Kabila. Et ils sont nombreux aux États-Unis, partout où ils sont toujours dans les médias, et ils disent la solution du Congo passe par Kabila. C'est faux! Ça ne passe pas par Kabila. La solution du Congo passe par nous, les Congolais. Donc, l'ennemi numéro un des Congolais, c'est nous, les Congolais. Ne nous voilons pas la face et cessons d'insulter ce type, ce taximène qui est venu de Tanzanie. Si nous faisons une introspection et nous allons voir que c'est nous qui sommes responsables. Aujourd'hui, tout le monde sait que Moïse Katumbi a tué, a volé. Mais il n'y a que des gens qui girent par son nom. Il y a des gens qui créent et déclèvent les amis de Moïse Katumbi. Ce sont des Congolais. Hein? Ont-ils oublié comment il a pillé les Katanga? Et vous allez chercher encore l'ennemi que l'ennemi, c'est seul Hippolyte Kagame Kanembe. Ont-ils oublié que Moïse Katumbi, malgré son équipe de Mazembe, est-ce que tout le monde mange l'argent de Mazembe, de Mazembe? Mais nous avons oublié. Et nous créons de clubs des amis de Katumbi. Vous, les Kassaïens en général, en particulier, vous avez oublié en 96, quand Kyungu Akumwanza et Ngunz Kalibond avaient tenu des discours au Katanga où ils appelaient les Kassaïens les Bilulu. Les Bilulu, ça c'était mauvais Swahili. En bon Swahili, on dit Vidudu. Vidudu, ça signifie les insectes. Vous avez oublié quand ils vous appelaient les insectes, vous les Kassaïens, Kyungu Akumwanza et Ngunz Kalibond, mais ils vous ont chassé. Je ne dis pas qu'ils avaient totalement tort dans tout ça, parce que je ne connais pas quelle était la cause du conflit entre les Kassaïens et les Katangais. Je ne sais pas. Mais c'est un génocide qui avait été commis au Katanga en ce moment-là. Et vous vous rappelez encore avec l'ambassadrice américaine Melissa Wells, qui venait ramasser des enfants Kassaïens tués. Vous avez oublié tout ça. Vous, les Kassaïens, et vous devenez des pasteurs et des bishops partout à travers le monde pour mentir les gens, cherchant à oublier ce qui s'est passé au Katanga. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Nous avons oublié tout ça, nous, les Congolais. Aujourd'hui, il y a certains parmi vous, les Kassaïens, parmi les Congolais de Kinshasa et de partout, qui créent des clubs de Boshab. Mais c'est Boshab qui a envoyé des gens de connivence avec Hippolyte Kagame Kanembe pour aller tuer les chefs coutumiers du Kasaï. Vous avez oublié tout ça. Nous oublions facilement. Les gens créent des clubs, des syndicats d'Okolo. Ben, écoutez, syndicat d'Okolo peut être ce qu'il est, mais vous devez savoir, malgré tout ce que vous dites, son père était le premier banquier du Congo. Ceci et cela, ça va, il avait créé l'emploi. Mais vous savez, le curriculum vitae de quelqu'un est particulier, est unique. Ce n'est pas parce que son père était banquier que lui doit l'être. Les atouts, les compétences sont différentes au monde. Ce n'est pas parce qu'il est le directeur, qu'il est le entrepreneur. Au même moment, ses enfants
seront les mêmes. C'est totalement différent. Donc, ne cherchons pas à transposer les compétences d'un défunt sur son enfant, qui ne représente rien. Il est collecteur de statuettes ou de œuvres d'art. Bon, a-t-il créé une histoire équivalente au musée d'art de France au Congo, en Angola? Est-ce qu'il a créé une histoire? Vous avez déjà vu une histoire comme ça au Congo? Vous avez oublié que le pays qui l'a accueilli, le pays qui est son beau-père, je vais parler de l'Angola, occupe des kilomètres et des kilomètres des terres congolaises à Kabinda. Enfin, en chose à Kaemba. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que le pétrole de Kabinda, le pétrole de Moana est exploité par l'Angola de connivence avec l'Amérique, de connivence avec l'Italie. Où se trouve la société Sozir? Société zairoise, zairo-italienne d'exploitation, etc. Où se trouve ça? Vous avez oublié tout ça. Et vous dites, il n'y a que ce petit qui est le seul ennemi du Congo. Mais il y a des Congolais qui reçoivent des commissions depuis tout ce temps, qui sont des ennemis du Congo. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié comment et pourquoi la sidérurgie de Maluku a été fermée. On ne nous dit pas pourquoi ça a été fermé. Et aujourd'hui, ça n'abrite que des chauves-souris, des serpents et des lièvres. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié aujourd'hui, quand vous suivez la télévision congolaise, surtout pendant les périodes de rencontres sportives, les journalistes congolais placent devant leur table SNEL Trendinho RSA. SNEL, République Sud-Africaine. Kabila, accompagné des Congolais, ont signé des contrats de gestion et de production d'électricité d'Inga que l'Afrique du Sud doit commercialiser au Congo pendant que des villes, des villages congolais sont plongés dans le noir, même la capitale. Mais l'Afrique du Sud va commencer à commercialiser ce courant chez vous, chez nous, de connivence avec des Congolais qui ont des comptes bancaires et qui ne disent rien et qui veulent que la situation actuelle se perpétue. Allez à l'est, au Kivu. Le barrage de Ruzizi, qui l'exploite? Le Rwanda et le Burundi. Alors que chez nous, au Kivu, les villages, les villes n'ont pas d'électricité. Qui touche les commissions de la production et de la vente de tous ces courants? Allez au Bas-Congo. Il y a beaucoup de barrages au Bas-Congo que le Congo-Brazzaville utilise. Où va l'argent que le Congo-Brazzaville paye? Ça entre dans les poches de certains Congolais qui sont là-bas et qui veulent que la situation se perpétue. Et vous voulez chercher l'ennemi ailleurs? L'ennemi, c'est nous. Tout ce que nous faisons, ce n'est qu'à l'avantage de Kagame. Parce que il a ses piliers au Congo. Et les piliers, c'est nous, les Congolais. Si nous nous décidions, si nous cessions avec la corruption, avec la traîtrise, avec l'antipatrisme, si les termes existent, qui nous caractérise, nous, les Congolais? Chers téléspectateurs, nos amis internautes, branchés, connectés, www.congodialo.com, votre site de savoir, hein, et dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Je crois que si vous avez remarqué, j'ai pu laisser mon micro pendant une dizaine de minutes ou quinzaine de minutes à monsieur, son excellence le président national congolais, monsieur Kilele, pour qu'il puisse s'exprimer, parce que c'est une question, je ne veux pas juste l'interrompre. J'ai posé la question, il a répondu à certaines sous-questions que j'allais poser. Le vrai ennemi des Congolais, c'est toi qui me suis, c'est moi qui parle ici, c'est vous et moi, nous les Congolais des nationalités. Nous sommes tous ennemis de nous-mêmes. Hein? Je crois que si vous analysez très bien les propos de M. Kilele, vous allez vous en sortir, n'est-ce pas?
Alors, c'est une réflexion à s'asseoir et puis à y réfléchir. Mais ce qu'il est, je crois que vous avez presque tout répondu à ma question, n'est-ce pas? On va même terminer l'émission maintenant là. Mais j'aimerais aller un peu encore plus loin. Si vous avez des commentaires à faire, des suggestions, des questions à poser par rapport à son argument, vous êtes la bienvenue. Postez-nous, appelez, même le numéro de M. Kili sera affiché dans votre petit écran. Monguna Congolais, Zaka Congolais, Moko. Apesibiso histoire n'engezala qui na sima, bané 60, ba 80, ba 90, et puis n'engez te komizanon ina inga n'engezali, barrage mumbo pe sabso courant, na ba province, na ba village, M. César Nangote. Tozote kango libanda bato tozote kila bango bazote kila biso lusuto toko mosomba yango. In the future coming shows, we're going to try to mix up so that we can have English version show and the French or Lingala version show here, right here in congodialogue.com. Mama Francine Ngembe, this is it. So if you got any question in English, don't hesitate. WhatsApp us, phone us or call us. We are going to get your point. Then we're going to discuss about it. Monsieur Kilele, nous sommes presque à la fin. Je crois que vous avez énuméré un point très touchant. Personnellement, je suis très touché et ça nous a plus amené à la réflexion que le vrai ennemi du Congolais, c'est nous-mêmes, le Congolais. Tu vois, on met trop de bruit. Moi, j'appelle ça des scénarios. Tout ce qui se passe souvent dans notre pays sont des scénarios. Il y a Trio, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Moi, je pense que ce sont des scénarios. Donc, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Ce sont des scénarios, mais c'est la comédie. Le vrai problème de notre pays, c'est nous. C'est nous. Nous n'avons pas changé. Nous sommes allés à l'école, nous sommes dans des églises, nous sommes dans des mosquées. Toutes ces institutions, toutes ces formations que nous avons ici ne nous ont pas aidés. Congodialogue.com